Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une présentation de map. Je vais vous présenter la map canton de Neuchâtel. Donc là voilà, c'est une ville qui est en Suisse, apparemment, d'après ce qu'il dit là, le fromage le plus cancé de Suisse, voilà. Donc vraiment des belles photos, donc ça vous faites pause, hein, mettons sur la vidéo si vous voulez lire, mais il y aura la description de la vidéo. Donc une vache, une map, pardon, montagnarde, c'est vraiment... Beaucoup de montagnes, vous allez voir que dessus pour travailler c'est vraiment compliqué. Donc là voilà, vous avez des montagnes tout autour. Donc là en face vous pouvez apercevoir la ferme, tout ce qui est en blanc. Là il y a des bâtiments, tout ça c'est la ferme. Donc là vous avez des télésièges. Après on va faire un petit peu le tour. Je vais vous présenter aussi le John Deere 7280R avec le drive control. Comme ça pour ceux qui ne sauraient pas par exemple l'utiliser, voilà, ce sera une vidéo. Il sera dedans, donc sortie, bonne chance. Donc ça c'est sûr qu'on peut leur, ils peuvent nous dire bonne chance, parce que voilà. Et en bas, quand vous arrivez en bas, vous allez voir, il y a un truc de téléportation, on va arriver à la ferme. Donc là, regardez un peu ça, magnifique. Hop là, voilà. Donc là, téléportation, pardon. Voilà, bio suisse. Donc un hélico, une motoneige. Un autre hélico là-bas au bout, tout au bout, faut le voir, mais de toute façon on ira voir. Des routes vachement vachement longues, interminables en quelque sorte, et plein de virages. Donc on commence déjà sur la map, vous avez ça comme matériel. On va regarder dans le garage, mais normalement il y a ça, pile ça. Donc on va tout vendre tout simplement pour acheter notre John Deere. Allez hop. Là on n'a pas assez, donc insert, emprunter. 200 000 euros. Donc tout simplement à la ferme. Là vous avez une maison. Quand vous arrivez sur la map, bah, c'est tout en haut là-bas, comme je vous ai dit. Hein. Voilà, c'est dans les montagnes, tout en haut là-bas. Donc tout simplement un hangar de rangement ici. Donc vous appuyez sur haut. Faut avoir le map d'or Trigger. Donc un magnifique hangar de rangement. Ici. Là on parle des qualités de la map, hein, pour l'instant. Après il y a les défauts. Donc là voilà la maison un peu. Hop. Donc ici voilà, vous pouvez acheter, hein, juste un truc qui est bugué, voilà. Par exemple moi je vais pas le faire parce qu'après j'aurais plus assez d'argent. Donc les semences, mais il me semble que ça marche pas. Il me semble. Donc eau. Donc le truc pour vider le grain. Alors patates et betteraves, impossible de vider, donc faut les vendre directement. Simplement cette map je l'avais dans les diaporamas que j'ai fait pendant mon absence sur YouTube, voilà, tout simplement. Donc là un petit préau en quelque sorte, la cuve à fuel, là nous avons le bâtiment qu'on était avant, et cette map a été modée ou modifiée au moment des attentats de Paris, parce que voilà, tout simplement c'est marqué je suis Charlie, donc au mois de janvier qu'elle était faite ou modifiée, je sais pas. En tout cas, elle a été faite vraiment la va-vite, parce que vous allez voir les bugs qu'il y a. Comme ça, elle est très bien. Moi, je me suis dit quand je l'ai vu, oh, c'est une map trop belle et tout. Donc là, vous avez un petit point d'eau ici, un petit hangar là-bas. Donc maintenant, par là, nous avons le bâtiment aux vaches ici. Hop là. Donc moi, je n'ai pas réussi à vider là, dans l'eau, j'ai tout ça. Je n'ai pas réussi. Là, il y a l'eau Jao, j'ai pas essayé. La paille, faut se mettre tout simplement ici pour arriver à la vider. Faut vous mettre ici pour arriver à la vider, tout simplement. Donc là, le robot de trade, voilà, il est vert au lieu d'être bleu. Là, vous avez le tank à lait, mais on ne peut pas rentrer. Là, voilà, vous avez un portail. Regardez, magnifique. La cuve à lisier. Voilà. Ça vous vide le blé, il me semble. Alors après, je sais pas si ça vide d'autres cultures. Un grand hangar de rangement pour la paille. Voilà, vraiment magnifique. Ça, après, vous l'ouvrez avec géant si vous voulez. Puis vous faites nous enlever les bottes. Tout simplement. Là, une fumière immense. Immense. On met 100 tonnes dedans, il me semble. Donc là, pour charger. Vraiment magnifique, ça. Ça, c'est les points qui sont bien sur la map. Donc là, un grand pré pour les vaches, tout simplement. Car les vaches, elles ont ce pré-là. Après, elles remontent, tout le long ici. Elles remontent tout le long ici, voilà, elles font le tour de l'hangar à paille.
Elles passent devant les silos et puis elles vont dans le pré là-bas derrière. Donc là voilà, nous avons hop là. L'hangar, un petit hangar là avec deux silos de capacité, je sais pas. Je ne sais pas la capacité, donc là voilà. Ça, donc voilà, pour la ferme c'était ça. Voilà, vous avez les montagnes, là un lac. Arrivé en bas là-bas, bah, de toute façon on va voir. Allez hop, bah non, j'ai pas de tracteur. On va aller l'acheter. Hop, sélectionner une catégorie. Excusez-moi, ça bug un peu. 7280R. Donc on le présentera à la fin, tout simplement. Donc là, tout simplement, vous avez le concessio. Donc assez grand concessionnaire. Là, voilà, ça peut vous servir d'hangar. D'accord, vous passez, toc, voilà. Là, si vous rentrez là, vous faites le tour, par exemple. Vous ressortez là. Donc là vous avez une rampe, je sais pas à quoi peut servir, je ne sais pas trop. Donc là, tout simplement, là vous avez un grand lac derrière. Est-ce que c'est le lac Léman? Je sais pas. Voilà, c'est un lac qui est en Suisse. Donc on va faire le tour. Donc là voilà des habitations. Donc je me mets en l'air pour pas faire le tour avec le tracteur. Une petite vue intérieure, hop là. Là nous avons deux grands hangars de stockage. Donc pareil, avec eau vous l'ouvrez. Hop là, comme ça. Voilà, vous rentrez à un, vous sortez à l'autre. Enfin je veux dire, vous rentrez dans un hangar, vous sortez le même. Et puis à côté, c'est exactement le même. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même. Voilà, ça c'est voilà, il y a de la neige en plus et tout dessus, c'est bien, mais après il y a franchement il y a gros à refaire dessus. Il y a plein d'arbres, voilà, regardez, ils sont enterrés, du coup dès que vous passez à côté, tac, ça accroche. Pas pour celui-là en l'occurrence, mais il y en a plein. Donc là une habitation, franchement les chalets, ça apporte un beau truc à la map, donc un peu de bois, des planches de bois. Donc là l'aigle blanc, donc, je sais pas quoi ça fait référence, il y a des regarde, voilà, tout simplement. Donc là de la neige, la chaufferie biomasse qu'on avait sur le 2013 pour les cocos. Donc là habitation, hop là, dans les arbres, excusez-moi. Donc là franchement deux grands hangars de stockage, il y en a deux comme ceci. Alors là vous mettez je sais pas 30 moissonneuses, bon, sur cette map ça vous servira à rien, 30 moissonneuses franchement. Là après ce qui est bien, il y a le vrac, ça c'est bien. Voilà, donc je peux pas trop vous dire ce qu'il y a. Là le silage, c'est un silage. Mais il n'y a pas les patates ici, c'est sûr. Je sais pas où est la paille, je sais même pas s'il y a la paille en fait. Tout simplement, alors attendez, si ça se trouve il y a plusieurs cultures. Voilà, il y a lime et clover. Donc faudrait voir un peu ce que c'est, donc... vous pouvez vérifier si vous jouez dessus. Hein. Lime, je sais pas, ça doit être de la... Je sais même pas ce que c'est. Lime clover, je sais pas, tout simplement. On va vous dire. Donc là, voilà, l'autre grand hangar de stockage. Là, par là, vous arrivez de stationnaire. Dès que vous partez par là, tout simplement. Voilà, vous suivez un peu le chemin. Donc là, grand champ. Vraiment grand champ. Mais bon, ça enlève pas la neige quand vous déchaumez. Donc, d'un côté, c'est un peu... chiant parce que vous voyez pas ce que vous travaillez. Donc là le grand pré avec la ferme en haut, tout simplement, hop là, là ça passe. Donc là vous avez le passage pour aller à la ferme, voilà, un peu de matériel pour la neige. Là des habitations en chantier, en fait chantier, tout simplement. Donc là voilà, vous voyez qu'il y a les grosses buses là, qui sont là. Donc là après quand vous partez par là, si vous prenez le chemin pour monter, ben, tout simplement vous atterrissez à la ferme. Mais en descente, faites très attention si vous avez une benne derrière. Je vous conseille de freiner, parce que moi j'ai fait ça avec deux bennes à patates, hein. Elles ont fini toutes les deux dans le fossé, alors. Mais pourtant je freinais, mais elles ont quand même fini dans le fossé. Donc là voilà un petit coin en quelque sorte pour la
Attendez, faut mettre les ponts avant là-dessus. Voilà, c'est bon. Toc. Ah bah là vous avez un truc de téléportation, donc on va aller voir où que ça téléporte. C'est peut-être bien. Donc voilà, là a été les sièges. Hein? Oh bah non. Il est transparent celui-là apparemment. Toc. Ah, il a les suspensions déjà. Voilà, pour se rapprocher. On est reparti, donc voilà. On va aller faire un tour niveau champ, je dirais, côté champ. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Le PDA est à refaire, alors là, à refaire, mais... Parce que il me semble que c'est repris à partir de Old Ocean, cette map, qui a été refaite sur Old Ocean, c'est pas une map vierge. Mais alors franchement tout le PDA est à refaire. S'il y a peut-être deux trucs je crois, chaufferie biomasse qui est bon et société logistique, je crois que c'est les deux seuls trucs alors. Tout simplement. Donc on va repartir, on va aller côté champ un peu. Donc là il y en a un là. Et après quand vous allez... Quand vous allez par là tout simplement, il y a les champs. Donc attention quand vous êtes sur cette map. Ici vous avez une brouette qui dépasse, regardez. Toc. Je peux vous coincer. Simplement je préfère vous le dire parce que moi je le sais. Là vous avez un peu d'outils. Après vous ouvrez Jean, vous supprimez. Hein. Ça c'est pas un problème encore. Donc là des champs, un pré, tout ça. Encore des champs, des prés. Hop là. Donc, là vous avez un pré à droite, là vous avez un champ, ici il y a la neige, donc là vous avez un petit hangar pour aller au pré, un autre champ là-bas, donc quand je parle d'arbres, on ne peut pas passer, on va tout simplement aller par là, donc là bah, ça passe, encore heureux, mais ici, regardez, voilà, là bah tiens, ça m'apprendra. Ouais, tout simplement quand je dis ça, hein. Donc là, on va continuer comme ça, c'est pas grave. Donc là, un champ là, là des petites maisons, petite maison ici, un champ là avec du bois, un autre champ, un autre champ, un autre champ, un autre champ, encore un champ, champ, champ. Donc voilà, il y a pas mal de champs. Donc des prés aussi, tout simplement. Là, en face le bâtiment, il y a tout en bas là-bas. Vous... je sais plus si vous pouvez vider quelque chose. En tout cas, à côté, il y a un hangar de stockage de la ville. Après. Un autre bâtiment là-bas. Par là, tout au bout, vous avez la scierie là-bas. Là, après les champs, là, vous avez un hangar avec des semences. Donc, on va compter les champs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 14 champs. 15 champs, pardon. 15 champs. Ah, bah, il est retombé. Ça m'arrange. Il y a 15 champs, tout simplement. Ça va, mais c'est pas trop. On va tout simplement aller par là. Même si je vous ai présenté. Là vous avez un petit hangar de stockage ici. Petit hangar là à gauche. Hop là. On ne peut pas très loin. Donc là vous avez un point de vente juste à notre droite en face. Point de vente ici. Donc l'église à gauche ici. Magnifique. Là vous avez des semences. Je ne sais pas si on peut remplir. Simplement, j'espère. Donc là, magnifique. Alors ça, c'est un point qui est bien. Bûcheron du Marais. Non, je crois s'il y en a qui veulent faire, qui veulent s'amuser à. S'il y en a qui veulent s'amuser, voilà, faire du bois un peu dans l'eau, vous avancez, puis il y en a encore après. Donc là, un autre champ, voilà, un grand champ dans sillage, il me semble. Ouais, je l'ai fait en maïs grain, moi, sur les maps, sur les diaporamas, tout simplement. Donc j'espère qu'on s'entend encore avec le bruit du désert d'air. Donc là, hangar de stockage. Comme tout à l'heure. Je dirais même hangar de réparation, tout simplement, avec une cuve à fuel. Voilà, un petit atelier, tout ça. Magnifique. Donc là, nous arrivons à la scierie. Faites très attention ici,
simplement. Ici les copeaux à gauche, si vous les prenez, vous les chargez dans une benne, ça va pas y aller. Ça va vider à côté, il me semble. Là, si vous prenez cela, ça va y aller. Tout simplement. Donc là, vous pouvez amener du bois là-dessus, parce qu'elle est active. Je n'ai pas essayé, mais pour moi, elle est active. Donc là, vous avez un hangar pour mettre les copeaux, normalement. Si c'est comme sur le 2013. Donc là, la série de base. Alors là, là, ça descend vachement. Et regardez, toc, il y a un petit défaut. Faites très attention. Voilà, un petit pont et tout ça. Là, bah, je sais pas si ça peut servir, ça. Je pense pas, non, c'est pas actif. C'est pour faire des morceaux, je sais pas. Donc on va couper à travers. Il me semble que ça passe. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a un champ. Oui, sur un champ. On va aller voir au, en face, le gros bâtiment qui est en face. Simplement. Après, il va falloir qu'on remonte tout en haut de la map parce qu'on n'a pas fini. Donc on va aller voir là-bas, il y a un chalet tout en haut. Voilà, ça prend toujours un peu de temps, une vidéo. Après, il y a le gender à présenter, mais bon, j'aime bien regrouper, ça fait moins de vidéos comme ça. Parce que mon but, c'est pas de faire 40 000 vidéos comme ça. Ici, alors, est-ce que c'est pour le lait? Il n'y a pas de laitier, hein, faut savoir qu'il n'y a pas de laitier. Je sais pas comment le lait s'en va, je sais pas où. Alors là. Ne me demandez pas, tac. Donc là, un hangar de stockage, comme je vous disais, avec trois grosses cuves. Oh, il y a quoi là? Ah, un truc invisible, apparemment. Simplement, un truc invisible que je n'avais pas vu. Donc là, des caisses. Oh, bon, ça passe à travers. Des palettes. Ça pourrait être pas mal si on pouvait les rendre, je veux dire... pour les prendre voilà. Mais bon, c'est du chiant et du d'or pour l'instant. Donc on va se retourner par là. Alors attendez, bon, on va faire un peu de tour. J'ai déjà passé. Voilà, tout simplement ça refait le tour. Toc. Donc je comprends pas trop le suivi, ça faut pas me demander. Fromagerie apparemment. Parce que c'est marqué Formaggio. Oui, c'est marqué fromage. Donc là, tout simplement, un peu de la ville, un peu. Donc on va faire le tour, de tout ça. Parce qu'il y a un gros bâtiment qui est tout en haut de la map, alors pour y aller, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est surtout que c'est long pour y aller. Vous devez mettre 2 minutes pour y accéder. Hop là. Donc là, de la ville, toujours de la ville, de la ville, de la ville, de la ville. C'est pas mal aussi. Hop là, c'est de ma faute. On va chercher, c'est pas un bug. Donc là, si vous prenez à gauche, tout simplement, ça fait le tour là, ça remonte là. Après, voilà, vous pouvez reprendre la route à l'endroit là-bas, apparemment, parce que nous on va remonter tac 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 tac. Voilà, ça remonte tout en haut jusque là, là-bas il y a la ferme, ça remonte à la ferme par des prés, tout simplement. Donc nous on va passer par là parce que ça monte pas vite. Tout simplement on va passer par là. Nous. Hop là, alors je ne sais plus trop quand c'est. Bon après cette map je la supprime simplement parce qu'il y a plein de bugs. Et franchement j'ai pas envie de la garder pour faire une série dessus. Ni la modifier, voilà la modifier pour la garder. Alors attendez, il y a quoi par là? Les moutons? Non? Bon, on va regarder ça tout de suite. On va regarder ça tout de suite si c'est les moutons, de toute façon. Parce qu'on va tout simplement... Pour moi, c'est les moutons. Ou pas. Parce qu'il n'y a pas de fausse, normalement, moutons. Bon, on va regarder. Donc, animaux. Voilà, moutons. On a acheté 2. Je ne vois pas où sont les moutons. Ah si, on les a entendus, ils sont là. Quelque part par là, ils sont là, c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai entendu du bruit. Alors... Ah mais ils sont là. Nos 2 moutons. En même temps, quand ils sont en blanc sur du blanc, j'ai envie de vous dire, ça peut pas trop le faire. Voilà, ils sont là, nos 2 moutons. Donc là, c'est les moutons, tout simplement. Donc bon, on va filer. On va filer, les vaches, bah, je vous ai dit que c'était.
Donc un petit hangar, vraiment petit, mais ça peut toujours être pas mal, je crois, pour ranger un petit outil ou quelque chose, comme ça, par exemple. Donc là, allez hop, on est parti. Donc là, un peu de bois et tout ça. Donc là, si vous reprenez là, ça continue à monter, comme je vous ai dit avant, par les prés. Donc là, c'est bien. J'adore quand il y a des petits murs comme ça, on dirait. Ça fait des touches un peu classe là-bas. Simplement. Hop là. Donc là, on va pas dire qu'on arrive à la ferme, mais voilà, on est à l'opposé, parce que l'hélico est là-bas et la ferme est au-dessus. Donc là, tout simplement, par là, je sais plus trop ce qu'il y a. Donc, LS15, TFSB Group. Alors, est-ce que c'est un site? Au pire, vous regardez. Donc là, nous avons un bâtiment en haut qui ne sert je ne sais pas à quoi. On va pas aller voir. Ah, si, 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 parce qu'on a besoin d'aller par cette route, justement. Il est où? Là, il est là. Et après, il faudra peut-être bien qu'on revienne par là. Parce qu'on peut pas réquisitionner non plus sur cette map. Donc si vous bloquez, faut débloquer qu'un autre tracteur ou voilà, un truc comme ça. C'est bien un problème, ça ne peut pas fonctionner, mais bon, la réalité c'est comme ça. Hop là. Bon, ça va faire 35-40 minutes de vidéo pour une map, alors qu'hier j'ai fait moins pour présenter une map. Mais j'ai présenté Belgique Profonde hier, qui est donc en ligne sur YouTube. Elle est dans la rubrique dans ma playlist FS 2013 FS15 présentation de mode map. Donc là un barrage magnifique, là-bas il y a une grande antenne. Donc là par ici faut rien à part un chalet, une route qui est cassée et vraiment dangereuse, ça c'est moi qui vous dis. Donc dans les panneaux c'est pas trop, ils sont pas transparents. Route glissante, bah oui je vois ça. Une fois je me suis rattrapé par terre, alors c'est vraiment bien, les barrières sont tombées, des rochers, alors ça franchement faut dire que c'est bien, mais alors il n'y a pas l'argent pour passer. Moi je dis si la benne est dérape vous remontez pas. Voilà, donc là tout simplement si vous passez là dans le bâtiment, hop là, hop là, ça vous ressort de l'autre côté. Allez voir. Là, ça vous sort un bout de la map, vous avez un petit pont pour vous sauver. Tout simplement, tout simplement. Au pire, vous n'êtes même pas obligé de passer dans le bâtiment. Ah, il y a un chien. Passer par là. Ah, bah, il y a un autre chien là. Je n'ai même pas trop fait attention. Par là, il y a un chemin, apparemment. Donc, Ah, bah, on n'y est pas rendu au chemin. Oh, bah, non, 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 non. Bon, bah, alors, je crois que ça va être un peu fichu. Un peu fichu, donc un chalet là-bas, mais alors d'accessibilité je sais pas comment on peut faire. Donc là voilà, ouais, c'est tout simplement pour aller à l'antenne. Alors là c'est moi qui vous dis que c'est pas gagné hein. On peut pas réquisitionner il me semble en plus. Ouais, voilà, c'est bien ce que je vous disais. Donc bah tout simplement allez, on va s'élever dans les airs pour aller plus vite parce que là sinon on va y être 3 jours, sauf qu'on est très loin de la ferme et qu'on ne voit pas le bâtiment d'ici. Donc si on le vend, pour moi on n'aura pas assez d'argent. Non, c'est fichu. Ah non, il vaut 245 000 il me semble. Il me semble que c'est 245. Ah non, 192. Alors là, vraiment, coup de bol, les gens. Qu'on ait pu le racheter. Qu'on va tout simplement tracer et remonter vers la ferme. Pour finir la map, après, je vous présente le tracteur. Et puis voilà. Ça fera, ouais, 40 minutes de vidéo, je pense. Allez, hop. Allez, let's go. J'allais dire c'est quoi la grande cour qu'il y a là, mais c'est les télésièges en fait. Coup de bol qu'on ait pu le revendre et le racheter. Coup de bol. Alors faut savoir que c'est un magnifique tracteur. Cet engin, magnifique.
Et hop, on l'entend qui ronfle. C'est drôle. Allez hop. Donc vous pouvez voir la vitesse à laquelle il monte. Ah bah ça monte hein, c'est moi qui vous dis. Avec une benne. C'est comme sur The Alp hein. Pour une benne de 1 essieu, faut 400 chevaux. Peut-être pas 400 chevaux pour un essieu, mais The Alp, franchement, faut pas que la benne soit lourde. Donc là voilà. Allez hop, let's go. Donc c'est par là à gauche. Donc on va couper à travers pour aller plus vite. Donc tout simplement si vous filez. Voilà, la route elle remonte par là. Voilà, donc j'avais fauché ce pré-là en face pendant les diaporamas. Donc là, faut suivre toute la route, elle fait tout le tour là-bas. Voilà, tout simplement, R atterrit là. Là-bas, vous avez un hangar. Voilà, en retrait, mais un hangar. Là, après, si vous repassez par là, vous continuez la route. Hein. C'est assez long d'y aller. Bon, là j'ai pas de benne, j'ai rien. Ça peut faire rien d'y aller avec une benne, mais faut pouvoir prendre la route. Donc là vous continuez. Simplement au bout il y a un bâtiment. Un bâtiment qui sert pour des bœufs. Sauf que sur un map on peut pas faire de bœufs. Donc je vois pas pourquoi il y aurait trop un bâtiment comme ça. Sachant que bah, pour moi c'est un bâtiment fictif. Fictif, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut pas. On va dire qui sert pas, qui n'est pas fonctionnel. Voilà, les bœufs sont pas fonctionnels, ils bougent pas. Les bâtiments, mais... Tu vas pas leur mettre à manger, ça sert à rien de venir donner à manger, ça marche pas. J'ai essayé pour les patates, mais ils pas. Donc tout simplement, voilà, c'était la... Oula, on est déjà en l'air, bon, c'est bon là. Magnifique, on est où? Donc tout simplement, je vous ai présenté la map Canton de Neuchâtel. Donc map que je déconseille, ou alors faut être bon modeur. J'arriverai à la modifier, sans doute avec l'aide de quelqu'un. Mais voilà, faut la modifier pour qu'elle soit... pour qu'on puisse jouer dessus. Sinon, elle est très belle, mais voilà, faut juste la modifier. Donc là, on va présenter ce fameux 7280R. Il est vraiment magnifique, Michelin des... alors attendez, c'est quoi la... pour la référence, mais... Donc des IF710 par 75 à 42. Donc ça fait 60... attendez. Et 71 cm de large, ça doit être ça. Et à l'avant, il a des 620, 62 cm. Donc tout simplement, il a le drive control et il y en a qui ne savent pas s'en servir. Donc bah les gyros... Comme je dis, moi les critères de base sur un tracteur, sur Farming Simulator 15, c'est les clignotants, les rétros et les salissures. Il y a les rétros, les salissures et les clignotants. Donc, on va vérifier. Tac. Il a tout. Les rétros, les salissures, ça vient assez rapidement. Vous le mettez à déchaumer, voilà. Donc, il a un beau bruit, il a le bruit de recul. Le bip bip. Je sais pas trop. Donc, ouais, voilà. Donc niveau intérieur il est vraiment tip top. Donc je vais mettre Alt H tout simplement. Pour lisser, c'est le contrôle de droite sur. Vous avez la touche espace de votre clavier. À côté vous avez une touche Alt GR. C'est la touche qui est juste après à droite. Donc contrôle, vous appuyez dessus. Donc là la pédale qu'il y a là, vous ramenez le volant comme ça. Le bouton qu'il y a là, ça vous ramène le volant plus haut. Là les phares alors attendez bah, les phares tout simplement là, voilà, ça éclaire, c'est moi qui vous dit que ça éclaire. On va faire la preuve dans le noir après. On va se mettre dans le noir, j'espère que je vais pas oublier. Donc là peut-être bien le relevage avant, ça doit être ça. Non c'est ici. Non alors attendez que je retrouve. Activate l'overback. Bien, on va refaire. Attendez. Toc, toc.
Non, je vois pas ce que c'est. Franchement, essayez voir vous. Mais allez, hop, on continue. Donc ici, toggle PTO. Alors, c'est quoi ça? Plage avant? Non. Il y a plein de boutons que je sais pas moi là-dessus. Activate toggle beacon, je suppose. Ah, c'est gyro. Ça vient d'activer les gyro. Donc ce bouton, c'est les gyro. Apparemment, il y a un truc d'allumé à l'avant. Non, je sais pas. Lui. Là, le Green Star. Alors, attendez, il s'allume. Ça peut être pas mal, mais... Ouais, ouais. On va l'éteindre, tout simplement. Donc là, pas trop ouvrant, mais la porte, le siège repliable, voilà, tout simplement. On a fait le tour, donc voilà, B, je savais qu'il y avait des trucs, N, voilà, N, c'est là, B. Le 3. B, ça baisse 3 points et tout simplement ça vous ouvre le capot et ça vous voyez que le moteur est fonctionnel en quelque sorte, heureusement. Non, mais que vous voyez que voilà, le ventilo tourne. Donc vous appuyez sur B, N. Voilà, tout simplement. Hop là, donc voilà. Ah, il est bien comme ça. Donc on va se mettre dans le noir tout simplement. Allez hop, faisons assez vite. Ah bah non, moi j'ai passé un jour de trop. Bon allez, on repasse. Donc c'est pas grave. Il est minuit, voilà, regardez ça. Magnifique. Là franchement, pour vous dire que c'est qu'il est clair, il est clair. Voilà, tout simplement. Je regarde, je fais du tracteur, voir s'il n'y a pas d'autres boutons par hasard qui seraient fonctionnels. Et normalement, ouais, voilà, à l'avant le B et le N, tout simplement. On va se remettre dans le jour, le faire. J'ai encore 2-3 fonctionnalités du John Deere à vous montrer. Donc pour le drive control, donc là comme vous pouvez le voir, alors attendez, on va faire un truc, carte off. Voilà, on a enlevé la carte. Donc tout en bas à droite au nombre de kilométrages. Donc simplement vous avez la possibilité de régler la vitesse de deux façons. Donc avec là comme ça 1 et 2 qui ne sont pas sur le numpad, fonctionnalité du jeu de base. Ou sinon quand vous appuyez sur verrouille mage. Non, c'est l'autre. Voilà, celui que vous verrouillez vous-même avec la main. Il n'est pas verrouillé, voilà. Vous appuyez dessus avec les flèches gauche, donc voilà, vous voyez, vous pouvez apercevoir que ça baisse des trucs au niveau des espèces de deux engrenages, flèche gauche et flèche droite. Donc on va regarder tout simplement à quoi ça sert. Avec l'autre, ça baisse. Donc alors attendez, on va baisser celui-là à, voilà, il est à 37. On va voir si ça va à fond. Voilà, ça vous le met à 18. Tout simplement, on va le remettre à fond, voilà. Donc il y en a un qui est à 100, l'autre il est à 30. Je ne sais pas quoi ça sert par contre. On va voir s'il est à 50. Ouais, si c'est bon. À 50. Donc je ne sais pas à quoi ça sert. Et après, encore une fonctionnalité, c'est que vous avez la marche avant, marche arrière à mettre dessus, qui est désactivable. Donc quand vous appuyez sur la, normalement c'est la touche espace, moi les modifier. Voilà, donc là ça apparaît une flèche en marche arrière. Faut appuyer sur donc là quand vous appuyez sur espace ou la touche que vous avez modifiée dans les paramètres, vous appuyez sur Z, ça avance, mais ça recule pas, ça fait ça quand vous reculez. Donc vous appuyez une fois sur votre touche et vous appuyez sur Z, voilà, donc ça recule tout simplement. Et pour la désactiver, vous restez appuyé longtemps sur votre touche. Donc je dirais 8 secondes, ouais voilà, les 5 secondes, tout simplement ça désactive. Donc voilà, c'était la présentation de la map Canton de Neuchâtel
et du John Deere 7280R, vraiment magnifique. Donc niveau tarif, c'est 192 000, c'est ce qu'on a dit, 192 000, 80 euros par jour, puissance max 280 chevaux, tracteur nécessaire pour tracteur, remorque et des outils. Donc moi, sur ce, je vous dis à la prochaine, et ciao, et salut tout le monde.